Vous avez toujours rêvé de l'espace. Vous avez toujours rêvé de voyager. Notre nouvelle compagnie peut vous aider. La Battlestar Trek Wars est là pour vous. Nous sommes spécialisés dans le voyage spatial touristique. Le tourisme spatial est l'activité touristique qui consiste à envoyer des personnes dans l'espace pour des motifs non professionnels. Nos concurrents vous offrent des voyages à des coûts atteignant les 35 millions par adulte pour quelques minutes dans l'espace. Mais grâce à notre toute nouvelle fusée, la XL5, nous vous offrons de passer une semaine tout inclus pour aussi peu que 1 150 384 paiements de 29,99 par mois par adulte. Faites comme Guy la Liberté sans le côté clown. Lui a déboursé 35 millions de dollars, pas vous. Les passagers seront parmi un petit nombre à voir la courbure terrestre et avoir une vue saisissante sur la planète, de l'éclat des étoiles et du voile fin de l'atmosphère enveloppant la Terre. Grâce à notre nouvelle technologie, vous pourrez être téléporté dans l'obscurité de l'espace afin d'y prendre quelques clichés noirs. Voir la Terre suspendue dans le vide de l'espace va sûrement vous faire vivre une expérience de nature à changer votre existence. À travers les nombreux hublots, vous découvrirez que la Terre est ronde. Vous découvrirez le ciel noir, le soleil et les étoiles. Vous pourrez recevoir vos appels grâce à notre système de communication interne, être relié à Internet en permanence et communiquer avec vos amis sur Facebook. Partez pour la grande aventure avec nous, en toute sécurité. Vous pourrez constater que de l'espace, vous voyez le petit peuple comme des fourmis, travaillant comme des forcenés. Voyagez en première classe, tout en sécurité. Grâce à notre colonel Steve Zodiac de la patrouille de l'espace mondial et au docteur Venus, un médecin de la médecine spatiale. Vous pouvez les apercevoir dans le poste de commandement juste ici devant. Et ils sont pas là? Ils ne sont sûrement pas très loin. Tournez! Tournez! On va tous mourir! Observez la réaction d'une explosion trop proche de la Terre qui nous fait entrer dans une ère glaciaire. Ha ha ha!